J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FG Normal. Ils m'ont proposé un renouvellement suite à notre premier partenariat et je les en remercie énormément. La proposition et mon choix ont eu lieu le même jour, c'est-à-dire le 18 juillet, pour une validation le 19, et j'ai reçu, nous étions le 1er août. Alors, dans le budget qui m'a été accordé, j'ai pris un point de croix et un petit accessoire. Alors, l'accessoire, vous l'avez déjà vu il n'y a pas très très longtemps, mais voilà. J'ai tellement adoré que j'en ai pris un autre. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Ah, avant que j'oublie. Code promo Alors, je ne sais plus. Attendez. Oui, ça y est, nous revoilà. Parce qu'en fait, j'avais un doute. Parce que j'avais marqué code de 5%. Mais c'est Marina 6. Alors, je ne sais pas. Parce que d'habitude, quand c'est 5, c'est 5. Mais voilà. Donc, Marina 6 pour un code de 5%. Si jamais ça vous donne un peu plus, n'hésitez pas à me le dire pour que voilà, je puisse le notifier la prochaine fois. Alors, hop, on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai pris une petite nouveauté de chez Spring. C'est ça, je vous le montrerai après. Voilà. Je vais déjà vous montrer l'accessoire. Donc, l'accessoire, c'est celui-là. Voilà, vous l'avez déjà vu il y a peu de temps sur notre partenariat. Hop, on va ouvrir. Je vais vous montrer ça. Alors, avant que j'oublie, c'était à 2,99 €. Ah oui, j'ai pas fait la conversion. Je suis désolée, j'ai oublié. Je n'ai pas eu le choix du modèle. C'était celui-là qui était présenté, mais ça m'allait très bien. Je le trouve très sympa. Il s'agit en fait, voilà, comme un rouge à lèvres, on fait exactement la même chose. Et il s'agit d'un range-aiguille. Voilà. Donc, vous voyez là, vous avez le rebord en noir là, qui est aimanté. Et voilà, vous avez juste à faire comme ceci. Et voilà. Du coup, j'avais dit, j'en avais déjà un. Donc là, c'est pour les aiguilles en... Alors, c'était quoi en 4... Là, j'ai mis du 14 CT, vous voyez. Donc, vous avez juste, en fait, à faire ceci pour aller récupérer votre aiguille. Donc, y a... franchement, c'est très, très, très pratique. Bon, enfin, moi, j'adore. Donc, du coup, bah, j'en ai pris un pour le 11 CT, tout simplement. Voilà, donc, je suis trop, trop contente. J'adore, je trouve ça super beau, quoi. J'ai du mal avec maintenant j'ai du mal avec les comment les petits plateaux là les petites barquettes on va dire aimantées mais ça je trouve ça ouf enfin j'adore franchement voyez vous avez juste à ouvrir faites un peu gaffe parce que vous voyez c'est aimanté après ça peut être pratique du coup pour récupérer son aiguille voilà mais enfin moi je voilà c'est testé et approuvé donc voilà c'était à 2,99 €. Ensuite, du coup, le point de croix Spring, on va y arriver, il s'agit de celui-là. Regardez-moi ça. Il est trop beau, hein? Ouais. Donc, ça existe en 11 CT, en 14 et en 16. Moi, j'ai pris en 14, donc elle fera 50 par 50 cm et du coup Spring en 14 CT c'est du coton égyptien voilà j'adore, j'en ai repéré quelques-uns là des gnomes, notamment un autre éventuellement il pourrait faire partie de mon stock, un de ces quatre on va voir ça tout de suite hop alors on a comme d'habitude voilà le mode d'emploi pour broder, mais moi je les garde jamais de toute façon. Hop. Par contre, c'est des nouvelles pochettes. C'était pas comme ça avant, c'était tout blanc. Moi je trouve ça sympa. Ouais, je les trouve sympa leur petite pochette là. Estampillé Spring. Alors, on va voir ça tout de suite. Non, ça c'est la page de garde. Le patron. Le patron se partage, enfin, se compose de 6 parties. Vous remarquerez que la partie 3 et la partie 6. La partie 3, elle sert à rien, parce que regardez. Attendez, je vais vous dézoomer un petit peu.
La partie 3, en fait, il n'y a rien. C'est juste la partie 6. Voilà, c'est le bout de le bout de sa chaussure. Mais voilà, voilà la partie 6. Bon, ça va. Ça va, ça va. On a du full stitch. On a 78 couleurs quand même. C'est pas mal. Alors, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est qu'il y a une double signalétique. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est les signes que l'on voit sur la toile. Et ça, c'est ce qu'il y a sur le patron. Donc ça, c'est vachement pratique pour se repérer. Si on utilise le patron, voilà. Moi, des fois, j'utilise le patron pour être bien sûr. Et on a un mélange de fils. Voilà, on a deux mélanges de fils. Donc, la toile. Ouais. Alors, le patron se présente sur deux pages comme ceci, déjà pour le haut. J'adore les couleurs, je le trouve trop trop beau. Ils ont une belle petite collection, franchement, très très sympa. Et on a les deux parties ici. À savoir qu'ils ont également sorti les petits coverminder qui vont avec. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si lors d'un partenariat, on voit le coverminder qui ira avec. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, la toile est emballée souvent dans une pochette plastique. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite. Très, très bien imprimé. Alors, on a des soucis d'impression. On est plusieurs, plusieurs youtubeuses à avoir des soucis d'impression. À savoir les toiles qui bavent. Surplus d'eau sur la toile ou un surplus d'encre et Spring, en fait, j'ai jamais vu de problème. Je n'ai jamais vu de problème, donc franchement, Spring, c'est une valeur sûre en ce qui me concerne. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, ils font du 14 CT. Enfin, moi, je suis super contente. Voilà, donc la toile, elle est surjetée à l'effigie de Spring et avec leur petite étiquette. Voilà. Et on voit l'impression. C'est pas... En premier abord, on dirait qu'il y a pas mal de confettis. Mais au final, les croix ne sont pas si éloignées les unes des autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, l'impression est pas mal. Franchement... Non, moi, l'impression Spring, c'est... Franchement, c'est ma... Enfin, l'impression. La conversion et... oui, et l'impression, on va dire... C'est vraiment ma préférée. Voilà, et pas de problème. Là, on a le tableau DMC. Et qui continue ici. Après, il faut les caser, les 78 couleurs. Et le petit tableau DMC pour le mélange de fils. Voilà, la toile est assez... Enfin, pour une Spring, elle est assez souple. Après, c'est du 14CT aussi. Je pense que ça doit y faire beaucoup. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Oh, les couleurs. Donc on a les deux aiguilles qui sont accrochées ici. Je vais vous montrer les couleurs. Ouais, donc je confirme, c'est bien du coton égyptien. On le voit. On le voit et on le sent au toucher. Alors, couleur 1 à 15. Voilà. On a de 16 à 30. Oh là 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 là. Attendez. Donc 16 à 30. Donc hop, voilà. Mais là, les trois couleurs, là, c'est ces trois jaunes. Oui, bien sûr, Marina. Ils sont là, les jaunes. Ces trois roses, mais roses, des roses fuchsia, mais pff, juste sublime, quoi. Ah, je suis trop fan des couleurs. Ensuite, on a 31 à 45. Alors, je remets comme il faut les fils sur la plaquette avant. Voilà, donc 31 à 45. Voilà, la mise au point est compliquée aujourd'hui. Hein. Et 46 à 60. Donc, on voit qu'il y a certains fils où il n'y en a pas beaucoup quand même. Et on a trois plaquettes. Eh oui, 61 à 75. Hop. Donc, mise au point, merci. 61 à 75. Et... 76, 78.
Ah, 78, pardon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, le prix, peut-être. Elle était à 11,99 €. Faites la conversion vous-même. Honnêtement, parce que là, j'ai complètement oublié de vous faire la conversion. Mais voilà, vous avez à peu près une idée. Donc, voilà les deux articles que j'ai choisis. Et je remercie énormément FG Normal pour avoir renouvelé leur confiance. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, d'utiliser mon code promo qui est Marina6. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!